Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Hey les amis, hello. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui s'avère très très intéressante en termes de pic de glycémie. On va regoûter les goûters. Je sais, ça fait beaucoup de goûter d'un coup. Qu'on. J'allais dire qu'on goûtait, qu'on mangeait quand on était enfant. Donc ce sont des choses qu'on ne mange plus actuellement, qu'on a été acheter tout à l'heure. Et en plus, c'est l'heure du goûter. Donc c'est parfait. Oh non, ça fait trop de goûter là, ça suffit. On se fait un petit haul. Première chose qu'on a acheté, techniquement c'est la dernière qu'on a acheté, mais c'est pas grave. Les biscuits M&M's, comme ça avec les perles de M&M's. Moi j'appelle ça des perles sur le biscuit. Les petits cœurs en chocolat de la marque Lu. Les mini Rolos. Oui, c'est ça, oui. De Pepito. Des génoises à la cerise. En fait, cette vidéo n'était même pas prévue. C'est juste que hier, on a commencé à débattre sur les pins. Et on a repensé à ça. Et ça, c'était vraiment un banger quand on était gosse. Donc, on a dit qu'on allait le regoûter. Et finalement, la dernière chose, je les ai vues. J'ai dit, c'est pas possible, faut qu'on les prenne parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Bah, dans mon enfance, ça c'est sûr. Mais je pensais même plus que ça existait. Donc, ce sont les caprices. Je sais pas comment on appelle ça autrement. De. Oh non, c'est compliqué à dire cette merde. Papadopoulos. Ok, bien sorti. D'accord. Donc ce sont des bâtons de chocolat. Un semblant de Capri Sun. On n'a pas trouvé Capri Sun. On a trouvé les Jaffen. Jaffen. Raffen. On dit peut-être c'est en espagnol. Raffen. Ah, c'est un R en espagnol, le J. Oui. Ah, je sais pas. Comme rosé. Je te dis, moi j'ai fait allemand. J'ai fait mais du coup, bah, saveur multifruits. Donc bon, bah écoutez, on va goûter. Ça trouve c'est même pas bon comme les multi, comme les Capri Sun, et on n'aura vraiment aucune idée de si c'est comme dans notre enfance ou pas. On commence déjà par manger quelque chose et on boit après. Oui, oui, il vaut mieux faire ça. Hein. Ok. Je connais déjà ça, donc. Enfin, c'est pas que je connais, mais c'est que j'en mange encore. Du coup, j'ai pas encore cette aspect. C'est à moi qu'il faut le. Enfin, je vais en rajouter un moment, j'avais pas. J'en prends quand même. Oui, il y en a plein. Le milieu, il est comme avant. Mmh, trop bon. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression que les marques doivent faire un peu moins sucré maintenant, non? Il n'y a pas un truc qui était passé comme ça? Sans conservateur, arôme ajouté et ni colorant. Je pense que c'est ça qui fait que c'est moins sucré. Je crois qu'il y avait beaucoup plus de sucre avant dessus. Après, c'est peut-être parce que c'est les problèmes du paquet. Oh non, les gens. Non, mais moi, même moi, maintenant, quand je les mange, ils sont pas comme avant. Hein. Moi, j'ai continué à en manger, donc. Encore, c'était pas mes préférés, ceux-là. Moi, j'aimais bien, c'était les. Tous ceux qui étaient enrôlés de chocolat. Les autres d'à côté, là. Un peu comme les. Moi ça me faisait penser, c'est quoi là, les bonbons là? Enfin c'est pas des bonbons. Les Malteser? Voilà, c'est trop bon ça. Du coup c'est pas celui-là que je mangeais. Mais il n'y avait pas les petits que tu mangeais. Je me souviens, c'était un petit. Oh, mais c'est trop bon. Genre c'est un bangers comme les trucs là. C'est pas la même chose mais c'est trop bon. Ça se trouve je vais plus aimer. Ah t'es risqué, t'es rigue hein. Cadeau. Ça sent comme dans mon enfance. Ça avait plus de saveur dans mon enfance. J'ai l'impression que c'est fade un peu. Je trouve qu'on sent beaucoup le cœur de lait là. Oui, c'est clair. Cœur fondant au lait. Mais je trouve que là c'est beaucoup plus fade que dans mes souvenirs. Mais c'est bon, c'est toujours aussi bon. Là c'est sucré par contre. Plus sucré que cela. Bah on a plus que des trucs au chocolat. Parce qu'il y a du chocolat aussi là-dessus. On se fait un Capri Sun. En fait, si vous voyez, ce qu'on boit actuellement, c'est du matcha. On a testé le matcha vanille de Andy et Lab, de Mila Matcha. Je vous mets la vidéo juste ici parce que normalement, elle sort avant. Donc, je vous la mets juste ici si ça vous intéresse. On va goûter le faux Capri Sun. J'espère que c'est aussi bon que le Capri Sun. Comment ça se trouve cette merde sur le côté, là. Et moi, ils ont compris que moi, les ouvertures... Ah, j'ai une crampe dans le pied. T'es obligée d'en crier dans l'oreille. J'ai eu mal d'un coup. Bon, en tout cas, ça ressemble vraiment à un Capri Sun. Hein. C'est vachement bon. C'est plus petit par contre. Non, j'ai l'impression que les Capri Sun c'était plus gros dans mon souvenir. Plus gros. Ouais. Attends, je fais ça. C'est plus gros. Oh, je sens la catastrophe arriver. Les pailles en papier. C'est. Moi, ça fait ça. Chouk. Si tu l'appuies, c'est cuit.
Ah ouais? Tu l'as mis sur la plaque de cuisson? Non mais... Mais non. Ça c'est éteint? Oui. C'est pas gagné hein. Oh là là, mais comment on faisait avant? Serrer la paille et déguster. Ben on n'est pas idiot non plus. C'est sûr que ça se pointe là. Ah c'est bon, j'ai réussi. Mais en même temps j'en ai mis partout. Ben moi j'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est collé au truc moi. Attends. Et lui je suis collée au truc de derrière. Comment je peux le faire? Ah c'est pas comme le Capricorne. Non, pas du tout. C'est pas le Capricorne de mon souvenir. On divise bon. Par deux? Ouais ouais. Oui bah oui. Ça va? Mais là les emballages c'était pas comme ça avant. C'était comment? C'était comme ça non? J'avais des gugus comme ça? Non, mais c'est vrai que c'était tout jaune. C'était comme ça les emballages ou pas les... Dites-nous. J'ai l'impression que c'était comme ça. Ah non, oui, c'est jaune. Non, pour moi, il n'y avait pas les gugus là. Tu prends un rouge, oui. Après, c'est du même, tu me dis. Si vous comprenez un jaune, t'aimes pas le jaune en plus. Je sais pas que j'aime pas le jaune. Bah, si, tu m'as assez fait chier à la fin parce que je pensais. Oui, jaune. Mais j'ai un peu changé d'avis. Après, j'ai une robe jaune. Enfin, là, elle est violette, mais. On m'a dit. Je sais. J'étais même choquée quand tu l'as mis. Ah bon, hein, tu crois? Oui. C'était plus grand dans mon... C'était beaucoup plus grand c'est dans mon enfance. On dirait des bébés machins. Eh mais c'est triste. Des en fait, on dirait... En plus, ils ont mis que des Smarties verts. Mais c'est triste. Enfin, des M&M's verts. En fait, maintenant, les jeunes, ils ont même plus le bonheur. Ils connaissent même plus le bonheur. Il est où le bonheur? Oh non, je dis vite. Oh. Tu veux quel bout? Le petit ou le gros? Je sais pas. Le petit égoutte. Comment tu veux que je croque dans ça? Je vais pas y arriver. Attends. J'ai des problèmes. Ça a toujours le même goût par contre. C'est plus petit mais c'est toujours le même goût. Bah heureusement. C'est là que tu sais, les goûts ont tout changé. Vraiment comparé au Pépito et au petit cœur de Lu, je trouve que pour l'instant ça a pas trop changé. C'est les seuls qui ont pas changé. Il était meilleur notre Capricorne. Ouais. Il y a un goût de. On l'a cherché partout. Là par contre j'avais l'impression que les boîtes elles étaient plus énormes. Je crois qu'en fait il y avait un format plus gros à l'époque. Je sais pas, je le voyais un peu comme ça sur ça. En plus, c'est un peu comme les boîtes de bretzel. Ouais je vois. Je sais pas pourquoi je le voyais plus gros. Oh là 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 là, c'est mon enfance. Elles sont bonnes. Elles sont trop bonnes. Oh, j'ai trop hâte. Pourquoi je prends le celui qui a l'extrémité alors que je peux. Évidemment, moi je m'en mets partout. J'ai pris le sac qui est cassé. C'est mon enfance. Il me semble que j'ai déjà goûté quand même. Ça me dit trop quelque chose. Moi je trompais ça dans mon café. Oui, j'ai buvé du café quand j'étais enfant. Il y a du matcha. Moins fan pour le coup, je pense. Je sais qu'à chaque fois j'allais chez des gens, il y en avait. Arrête de trembler, c'est pas pour toi, s'il te plaît. Je sais, ça ressemble à des bâtons, mais c'est pas tes bâtons. Ça, on dirait étudier l'oxygène. Franchement, qu'on arrive à la fin de cette vidéo et qu'on en a plus, tiens, parce que là, je suis déjà en PLS. Ah, j'ai compris. Les Bangers, j'espère que c'est encore tout aussi bon. Vraiment, là, j'ai vraiment trop de peur d'être déçue. Pareil! En vrai, ça, je savais que j'allais tout réaimer. Ouais, clairement. Mais ça, donc c'était la génoise cerise. Alors, il existe la marque, mais moi, je sais que j'ai toujours mangé la sous-marque. C'était la marque Cora à l'époque. Là, on a pris Petit Délit parce qu'on est trop Leclerc. Mais je pense que c'est la même chose selon les marques. Bon, ils mettent une ouverture facile, mais c'est pas ouverture facile. Ça se casse toujours. Je suis désolée. Vraiment, j'ai trop d'espoir. J'ai vraiment peur. T'imagines, on est déçus parce que c'est pas la même marque qu'on a mangé. Enfin, on a mangé la même marque en plus, donc. Imagine. Il y a même plus de barquette. Ah, d'accord. Oui, je vais mettre ça dans des. Directement dans le ciel. Barquette, t'as vu la petite barquette en plastique. Non, mais c'est bien, il faut que moins de. Ah, bah, je sais, mais. Bien sûr, mais. Non, mais c'est une fois que vous me le sachez, c'est tout. J'ai l'impression qu'ils ont resté une moitié, non? J'avoue, ils paraissent plus petits. Ils sont minuscules. Ça sent la même odeur. Pourtant, mes mains n'ont pas grosses. Ça sent la même odeur. La même odeur. Oh mon dieu.
J'aime trop. Ah, je pourrais juste ressentir en fait. Ça sent trop bon. Donc en fait, c'est là, c'est du chocolat blanc avec du chocolat dessus. Et à l'intérieur, c'est à la cerise. Vraiment, c'était trop bon. C'est trop bon cette odeur. Mmh. Oh là 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 là. Oh, c'est trop bon. Ça a le même goût. Ça a le même goût. Mmh. On est rassurés. Oh ouais, elle est trop peur. Ça, c'était vraiment bleu. C'est le premier truc qu'on a pris. Puis ils ont rien changé. Vraiment, c'est trop bien ça. Sauf la barquette. Oui, sauf la barquette. Comme moi, je m'attendais trop à la voir. Genre, ça, c'était la barquette noire. Ouais. Ouais, on était quand même assez déçus hein, qu'il n'y ait pas la barquette. Hein. En vrai, je crois qu'on était encore plus déçus si ça, c'était pas bon. Ils m'ont été la barquette. J'ai trop mangé, moi. Pareil. Du coup, j'ai même pas mangé ma pomme. Bah, j'ai plus faim. Je vais pas manger ta pomme quand même. On fait chacun son top 5 ? Vas-y. Ok, je commence par le mien. Alors 5, ça, c'est celui qu'on aime le moins. Oui. Et on va au premier. En numéro 5, je mets les petits cœurs. En 4. En fait, je mets en 5 parce que bah, j'ai pas découvert en fait. Enfin, oui, bah oui. Je mange en 4. Ouais. En 4, je mets les biscuits M&M's. Non, les pépitos. Ça a un peu changé. En 3, les M&M's, parce que vraiment, ça a pas changé de goût. J'avoue, je vais mettre... C'était peut-être un banger, mais je vais le mettre en deuxième. Vraiment, je mets en première position les caprices. Parce que ça, vraiment, c'était dingue. Les pépitos en 5. Parce que bah, j'en avais jamais mangé, donc... On va dire qu'il m'a rappelé beaucoup de souvenirs. 4. Celui-là en 4. N'est-ce pas, Ludy? Je suis désolée. Hein. Mais oui, mais je sais que j'en ai déjà mangé. Mais je sais pas. Ça m'a. C'est très bon. Hein. J'en ai déjà mangé, ça c'est sûr et certain. Mais c'est parce qu'il y a ça. Ça en 3. Parce que c'était trop bon. La galette. Mes petits cœurs. En 2. Ouais, mes petits cœurs en 2. Et puis bien évidemment. Le banger numéro 1. Évidemment. C'est trop bon. Non mais en vrai j'ai adoré les goûter, mais ça, moi ça je crois que c'est en position devant tout et n'importe quoi. C'est quoi même devant les bayoki que j'adore? Les bayoki quoi? Ah, les trucs que tu m'as dit. Oui, pardon, bah d'autant que je... Oui. Vraiment, je crois qu'ils sont même en première position devant ça. Je m'attendais même pas à les voir. C'est qu'en plus, c'est-à-dire qu'en regardant sur le site, je les cherchais. Ouais. Parce qu'en fait, je les ai vus dans la dernière, dans une des vidéos de Lucas Studio. Tu passes par là, coucou. Mais, et je voulais trop en manger depuis la vidéo. Et là, je regardais sur le drive, du coup, comment on arrivait, et on trouvait pas. Il n'y a pas tout en drive. Du coup, en fait, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas en magasin, c'est pas grave. Et on arrive dans le rayon. Et en plus, c'est toi qui me les as montrés, non? Oui. Et là, vraiment, je crois. En fait, c'est comme dans les BD, là, quand il y a les cœurs là, qui sortent des yeux. Vraiment, je crois que ça a fait ça, moi. Donc, voilà pour cette vidéo et pour nos goûters qu'on a regoûtés. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires votre top 5 ou top 6 si vous voulez inclure les Capricorn. Jaffen. Les dupes de Capricorn. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas du coup à mettre votre top 5 au niveau de ces biscuits. J'aurais trop hâte de les découvrir, vraiment. Me poignardez par le cœur, s'il vous plaît. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage. En plus, ça c'est gratuit. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se voit sur une prochaine vidéo. Peace.